Donc, cette délibération a pour objectif de renforcer la vocation et l'ancrage européen de la ville de Bordeaux par une stratégie européenne volontariste, dont cette délibération constitue une première étape. Il s'agit notamment donc d'engager la ville dans le label Ville européenne, un label créé en janvier 2020 à l'initiative de plusieurs associations et dans lequel s'inscrivent déjà plus de 80 communes françaises, dont Rouen, Nantes, Reims, Strasbourg ou Paris. Et il s'agit également de saisir l'opportunité de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour engager la ville de Bordeaux dans le cadre de la consultation citoyenne organisée au niveau européen à travers deux initiatives proposées par la ville d'ici à la fin de l'année. Tout d'abord, des rencontres européennes qui auront lieu la semaine prochaine, les 11, 12 et 13 octobre, avec trois journées de débats thématisés, des rencontres jeunesse avec des collégiens et des lycéens, des conversations citoyennes et des conférences le soir avec des grands témoins. Également, nous organisons au mois de novembre et au mois de décembre un panel citoyen avec notre ville jumelle Munich autour des questions de citoyenneté européenne et du levier que peuvent constituer les coopérations entre villes. Je précise que pour ces initiatives, nous avons obtenu le soutien du comité des régions pour ce qui est du panel et l'accord de patronage de la Commission européenne et du Parlement européen pour les rencontres européennes. Plus globalement, et j'en terminerai là, nous souhaitons donner une impulsion renouvelée à l'ambition européenne de notre territoire, se situer à l'avant-garde de la construction d'une Europe des citoyens, afin de promouvoir les valeurs européennes, particulièrement menacées aujourd'hui, on le sait, par la montée en puissance de l'illibéralisme en Europe. Et outre les actions inscrites dans cette délibération, cette stratégie a vocation également à inspirer nos partenariats existants, à l'image des liens renforcés avec Cracovie sur le volet discrimination, ou de notre coopération avec Bilbao notamment, pour laquelle une volonté partagée de renforcement de notre partenariat a été exprimée lors de notre déplacement en fin de semaine dernière avec Monsieur le maire et qui donnera lieu à une formalisation ces prochaines semaines. Merci.